Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce huitième numéro des mardis de Faisons Wascal Ensemble, notre rendez-vous tous les mardis à 20h30 sur YouTube, sur Facebook et sur Twitter. N'hésitez pas à déposer vos questions et vos commentaires, on les voit, on y répondra. N'oubliez pas les petits pouces bleus, les partages, vous savez que c'est très important et puis surtout ça nous donne du courage pour la suite de cette campagne. Au programme ce soir, la question sociale. Nos conditions de vie, notre façon de faire société, de vivre ensemble, et qui met en jeu notre devise républicaine, puisque la question sociale recouvre à la fois les questions de liberté, d'égalité et de fraternité. Et sur ce sujet, comme tant d'autres, vous le savez, il y a beaucoup de choses à faire à Wascal. Nous en parlons ce soir avec nos trois invités, Sandrine Driguet et Lionel Van Rys, qui sont membres du collectif Faisons Wascal Ensemble. Et puis, nous recevrons Gérard, ancien inspecteur du travail, fondateur du parti de la gauche démocratique et sociale. Et nous aurons l'occasion d'échanger avec lui tout à l'heure, dans quelques minutes. Salut à vous, jeunes Wascaliennes et Wascaliens. Alors aujourd'hui, on va couvrir notre programme social. Saviez-vous que 5% de la population détenait 95% des richesses? Et à votre avis, on en fait partie? Eh ben non. Alors il faut qu'on se pose les bonnes questions. Est-ce qu'on veut une ville faite pour celles et ceux qui prennent le bus, le métro et le tram tous les jours? Ou comme aujourd'hui, une ville pour celles et ceux qui font de l'argent grâce à leur téléphone et qui roulent en véhicule haut de gamme? Nous, on pense que la question, elle est vite répondue. Alors, soit vous votez pour nous, soit vous allez pleurer auprès de la mère sortante pendant les 6 ans qui viennent. Avec nous, c'est comme ça que ça marche. Voilà, trêve de plaisanterie. La question sociale, donc, c'est un des trois piliers du collectif Faisons Wascal Ensemble, avec évidemment l'écologie et la démocratie. Vous avez commencé à recevoir dans vos boîtes aux lettres un premier document de campagne avec nos 10 propositions pour le second tour. Nous sommes nombreux à avoir travaillé sur toutes ces propositions et j'ai le plaisir de recevoir ce soir Lionel Van Rys, donc membre du collectif, qui est colistier également de notre liste, et qui va nous présenter deux de ses propositions et en quoi surtout elles sont nécessaires pour tous les Wascaliens et toutes les Wascaliennes. Bonsoir Lionel, tu m'entends? Oui, bonsoir Benoît, et toi, tu m'entends? Je t'entends très bien. Alors Ok. Lionel, donc dans le collectif, tu vas travailler avec d'autres membres évidemment sur deux Oui. propositions majeures. Lesquelles sont-elles? Alors, au niveau du volet social, ou plutôt devrait-on dire de la solidarité dans son sens large, je vais vous parler de deux mesures fortes et surtout complémentaires que nous souhaitons rapidement mettre en place une fois à la mairie. Je parle ici des mesures fortes puisqu'elles auront une véritable existence physique en ville. Il s'agit du centre municipal de santé et de la plateforme d'accès aux droits. Très bien. On va commencer avec la plateforme d'accès aux droits. Qu'est-ce qu'on entend par accès aux droits, justement? Alors, avec Faisons Wascal Ensemble, nous voulons mettre en place une plateforme locale d'aide à l'accès aux droits pour permettre à toutes celles et ceux qui ont droit à des prestations d'en bénéficier. L'objectif est de lutter contre le non-recours aux droits destinés aux habitants de Wascal. Le hasard du calendrier fait plutôt bien les choses puisque ce mois-ci, au mois de juin, la DRES, la Direction de la Recherche, des Études, de l'Évaluation et des Statistiques, vient de sortir un rapport sur le non-recours aux prestations sociales qui est, on peut le dire, assez édifiant vu son contenu. Mais en même temps, c'est aussi encourageant parce que d'une certaine façon, puisqu'il révèle qu'il existe déjà pas mal de choses qui sont peu utilisées, donc avec ce qui existe déjà, on pourrait faire beaucoup mieux et faire vivre mieux une part importante de la population. C'est bien notre intention. Est-ce que tu peux nous expliquer précisément quelle est cette notion de non-recours? Alors, le non-recours, c'est le fait pour une personne de ne pas recevoir une prestation ou un service auquel elle pourrait prétendre. Donc, le rapport de la DRES nous montre que dans le domaine de la santé, les aides à l'assurance santé complémentaire, comme la CMU-C, présentent un taux de non-recours évalué entre 32 et 44%. Donc, en fait, plus d'un tiers des personnes qui devraient y avoir accès ne l'ont pas. Pour l'ACS, qui est une autre forme d'aide au paiement d'une mutuelle, le taux de non-recours est estimé entre 53 et 67%. Donc là, on est quasiment à la moitié des personnes, voire plus de la moitié des personnes qui n'en profitent pas.
Pour les aides sociales hors santé, c'est pareil, c'est ahurissant. Selon une enquête du dernier trimestre de 2010, pour le RSA, on avait une moyenne de 50% de recours au RSA, quoi. Donc la moitié des personnes ne l'utilisaient pas. Enfin, n'y avait pas le droit, alors que ben, ça les aiderait quand même beaucoup. Toutefois, les droits des habitants ne se cantonnent pas aux plus connus, que sont les allocations familiales, le RSA et la CMU, et qui sont, malgré leurs connaissances plus élevées parmi la population, demeurent peu utilisés. Donc, pour parler d'une histoire vécue, ben, moi-même, j'utilise les transports en commun tous les jours, et je peux vous assurer que dans le bus, un bon nombre de personnes prennent tous les jours, ces transports sans savoir qu'elles peuvent prétendre à un tarif dégressif en fonction de leurs revenus, comme, c'est possible dans la métropole lilloise. Ou bien que leur employeur doivent prendre en charge la moitié de l'abonnement. Pourtant, c'est un poste budgétaire assez important vu les tarifs pratiqués au sein de la métropole. Bien Je vais sûr. prendre un autre exemple, c'est celui des salariés du secteur privé. Est-ce qu'ils connaissent le principe du pourcent patronal, autrement connu sous le principe du pourcent logement, et maintenant qui s'appelle Action Logement? Eh bien, pourtant, cela pourrait intéresser pas mal de Ouascaliennes et d'Ouascaliens. Par la cotisation que fait leur employeur, le salarié peut accéder à des prêts à taux bas pour l'achat d'un logement neuf ou ancien, ou encore de prêts à 1% pour l'aide à la rénovation de logements anciens pour des sommes allant jusqu'à 20 000 euros, ce qui peut faire un sacré coup de pouce à la rénovation d'un logement. Pour les personnes devenant dépendantes avec l'âge, Action Logement offre également la possibilité d'avoir une aide directe de 5 000 euros. Pour l'adaptation du logement par rapport à la dépendance. Et 5 000 euros, c'est cadeau. Enfin, c'est-à-dire que c'est pas un prêt. Voilà, ce sera 5 000 euros d'aide et point final. Donc, évidemment, ça, c'est qu'un exemple. Et d'autres organismes, notamment publics, fournissent des aides par rapport à la dépendance, donc, notamment l'allocation personnalisée d'autonomie, dite APA. Donc on parle de dépendance, mais on peut aussi parler ben, des aides à la rénovation énergétique. Et elles sont pléthoriques. Il existe au niveau national déjà 11 types d'aides, sans parler des actions à l'échelon départemental et régional, voire municipal, qui pourraient être mises en place plus localement. Donc comment on peut s'y retrouver quand il y a déjà 11 aides au niveau national? Là, il faut vraiment être motivé pour pouvoir y avoir accès. Mais plus que de la motivation, il faut de la compétence pour comprendre ce qu'il en est, quoi. Et donc concrètement, qu'est-ce qu'on Ben compte nous, faire nous avec Faisons Ouascale Ensemble? alors ben nous, dans le collectif Faisons Ouascale Ensemble, nous pensons que justement, pour s'y retrouver, il faut faire de notre ville un nouveau maillon territorial dans l'accès aux droits sociaux. Pour cela, nous proposons de renforcer l'existant, comme le CCAS, donc Centre communal d'action sociale. Des personnes compétentes y travaillent et luttent déjà pour l'accès aux droits des personnes les plus précaires. Mais ce sera aussi la création de permanences municipales, pourquoi pas dans différents quartiers, pour faciliter l'accès à toutes et à tous. Dans ces guichets auxquels pourront s'adresser Ouascaliennes et Ouascaliens, vous trouverez des personnes maîtrisant sur le bout des doigts toutes les aides existantes et qui pourront remettre ben, les documents nécessaires à certaines demandes ou encore adresser les habitants vers les services concernés et compétents comme la CAF, le CCAS ou les organismes privés comme le Pourcent Logement, par exemple. Et qui ben, surtout pourront vite saisir les profils différents des personnes qui viennent chercher conseil afin de déterminer simplement ce que l'on peut faire avec le panel des aides et droits déjà existantes. Mais l'action ne s'arrêtera pas sûrement à un guichet ouvert en un point donné. On va se servir aussi des outils de communication dont dispose la mairie pour aller donner l'information directement chez les habitants et habitantes. Le journal municipal Le Ouascalien pourrait être beaucoup plus utile s'il sortait de son rôle de propagande officielle de Madame le maire et qu'il donnait tous les mois des informations utiles à toutes et à tous. Dans ce sens, démocratiser les informations ben, liées aux droits sociaux permettra de sortir de la stigmatisation qui est généralement associée et puis sortir du déni actuel de l'équipe municipale quant à la situation et au nombre de personnes qui vivent à Ouascal de façon précaire. On est bien d'accord. On avait déjà eu l'occasion effectivement d'en parler dans un précédent mardi de Faisons Ouascale Ensemble. Il y a de la pauvreté, il y a de la précarité, il y a de la difficulté à Ouascale et il faut arrêter de la nier. Bon, donc ça, c'est effectivement une première grosse proposition, un gros chantier qui nous occupera pour le mandat futur. Et tu parlais d'une deuxième proposition très importante qui nous, en tout cas, qui nous tient beaucoup à cœur
et à tous les membres du collectif, c'est le centre de santé municipal. Qu'est-ce qu'on entend par un centre de santé municipal ? Est-ce que tu veux nous expliquer, Lionel, s'il te plaît ? Évidemment, oui, je suis là pour ça. Donc, ce sont des structures de proximité qui proposent un large panel de spécialités médicales où se soignent tous ceux et toutes celles qui le souhaitent. Donc, structures de proximité se situant au plus près des habitants et habitantes et de leurs besoins, le centre municipal de santé de Ouescal favorisera l'accès de toutes et tous à la prévention et à des soins de qualité sans sélection ni discrimination. Alors, son action vise à réduire les inégalités sociales et territoriales de santé. Parler de discrimination dans ce domaine est très important. En effet, de nombreux Françaises et Français souffrent de discrimination pour accéder aux soins. Cette discrimination, elle est principalement liée au statut social et au régime de santé dont bénéficient les personnes les plus précaires. Pour s'appuyer à nouveau sur le rapport d'adresse que je citais auparavant, on y apprend que les situations de refus de soins discriminatoires, explicites et directes, sont le fait de 9% des dentistes, 11% des gynécologistes et 15% des psychiatres. Donc, évidemment, les médecins embauchés par la mairie auront pour obligation de pratiquer de ne pas pratiquer cette discrimination, qui est, rappelons-le, illégale. Et c'est quand même fou. Enfin, moi, je suis tombé des nues de savoir que 9% des dentistes, 11% des gynécologues et 15% des psychiatres refusaient des patients, alors que logiquement, ils sont censés les accueillir. Bien sûr. Donc, effectivement, d'abord un principe de non-discrimination. Après, il y a un deuxième principe très, très important qui est la question économique, la question du coût. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce point-là ? Alors oui, les usagers du centre municipal de santé bénéficieront de la pratique et de la dispense d'avance de frais et absolument sans aucun reste à charge pour le patient. C'est-à-dire que l'on n'aura plus besoin de faire le choix entre manger ou se chauffer et se soigner pour accéder à des soins nécessaires et parfois urgents. Alors évidemment, pour construire ce centre de santé municipal, nous allons devoir mobiliser les habitantes et les habitants afin de les intégrer dans la construction de ce nouveau service public pour tous. Cela nous permettra de cibler avec les habitants quel type de professionnel de santé il faut absolument avoir dans notre centre municipal de santé. Nous savons déjà que dans certains quartiers de Ouescal, des médecins généralistes sont partis à la retraite sans être remplacés. Par exemple, au Capro, c'est deux anciens médecins qui sont partis à la retraite. Donc on a deux médecins en moins rien que sur le Capro. La médecine générale est bien sûr le premier maillon de soins que l'on doit intégrer dans un centre municipal de santé, mais d'autres spécialités difficilement accessibles et pour lesquelles l'abandon ou le renoncement aux soins est important devront aussi pouvoir en faire partie. On peut notamment penser aux gynécologues obstétriciens et aux gynécologues médicaux. Pour les gynécologues médicaux, l'accès est encore plus difficile aujourd'hui puisque leur nombre a chuté de 40% en 10 ans. Donc il est encore plus essentiel de pouvoir proposer ce type de soins dans notre centre de santé. Et la difficulté d'accès qu'ils représentent, alors qu'il s'agit de médecins spécialistes des personnes qui connaissent ou qui ont connu des menstruations et qui représentent plus de 50% de la population. Enfin, en France, on compte 2,3 millions de plus de femmes que d'hommes dans la population française, donc je pense que c'est assez important pour leur proposer ce type de soins de proximité accessible par tous. Donc, faire du centre municipal de santé un lieu d'intervention du planning familial pourrait être, dans la même logique, un atout important. Pour une ville comme Ouescal, rappelons qu'un seul centre de planning familial existe dans la métropole lilloise. Et d'autres spécialités dont les habitants pourraient grandement avoir besoin pourraient également être installées à terme dans le centre municipal de santé, comme les psychiatres, les dentistes, disciplines pour lesquelles, on en a parlé juste avant, la discrimination est encore importante. Enfin, le centre municipal de santé, ce sera un outil à la fois efficace pour les patients et patientes, mais aussi pour les équipes soignantes, et surtout elles, qui pourront, par son intermédiaire et avec les moyens qui y seront dévolus, coordonner des actions conjointes de prévention, y intégrer des personnels médicaux et paramédicaux comme des infirmiers et infirmières diplômés d'État, qui sont le plus au contact des patients. Les patientes seraient d'ailleurs un atout formidable à notre centre municipal de santé.
avec le système de prise en charge de la médecine comme actuellement, et puis la prise en charge avec les mutuelles, et donc notamment le tiers payant qui sera instauré. Voilà, pas d'avance de frais et prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie. Ce qui restera à charge de la commune de Wascal sera très modique et largement accessible à notre budget. Merci beaucoup, Lionel. Merci de ton intervention. Donc voilà, vous l'avez compris, chers Wascaliens et chers Wascaliens, ce sont donc deux propositions parmi beaucoup d'autres, mais deux propositions qui nous paraissaient vraiment très importantes de vous présenter ce soir, qui romperaient avec beaucoup de pratiques précédentes et qui apporteraient un réel changement dans la qualité de vie des Wascaliens et des Wascaliennes voilà, au quotidien. Et ça, hélas, il n'y a que la liste de Faisons Wascal Ensemble qui le propose. Sur la question sociale, on l'a dit, bien sûr, il y a l'aspect de solidarité et de fraternité, la question des soins, la question de, on aura l'occasion d'en reparler plus tard, la question de l'enfance, des personnes âgées. Mais pour vivre heureux, il faut aussi savoir vivre tranquillement. Et donc, c'est bien ça que nous avons l'intention de faire à Wascal. C'est d'assurer de la tranquillité. C'est ça que les gens demandent. On a eu beaucoup de plaintes pendant nos rencontres en avorte et lors de nos rencontres participatives également, concernant les incivilités et les problèmes de voisinage. Rarement des problèmes très, très, très graves, mais qui, au quotidien, ça empoisonne, ça agace. Et puis surtout, les gens ne comprennent pas. La commune dispose d'un bureau de police nationale. Elle dispose également d'une police municipale dotée de 20 agents, mais ils ne viennent jamais, donc les problèmes ne sont jamais résolus. Nous en parlons ce soir avec Sandrine, donc qui est particulièrement concernée par les problèmes de tranquillité publique. Bonsoir Sandrine, est-ce que tu m'entends ? Oui, bonsoir Benoît, et toi tu m'entends ? Ça va, je t'entends très bien. Donc, je disais que tu étais particulièrement concerné par les problèmes de tranquillité publique. Est-ce que tu veux bien nous livrer ton témoignage personnel ou concernant ton voisinage ? Oui. Donc, ben voilà, j'habite au Cap-Pro et il y a souvent des problèmes de voisinage et de tranquillité, surtout du voisinage. Et bon, pas plus tard qu'il y a un mois de ça, il y avait constamment des véhicules qui arrivaient la nuit. Le soir, et ça durait jusqu'à une bonne partie de la nuit, et musique à tout va, chants, cris, rires, et le lendemain on retrouvait des cartouches de protoxyde d'azote partout sur le parking. Et donc beaucoup de voisins ont d'abord interpellé aux fenêtres en demandant de cesser, et comme ça ne cessait pas, ils ont appelé la police. Il leur a dit on arrive et ils ne sont pas venus. Et par contre, j'ai une petite dame de 73 ans qui est une voisine. Un dimanche matin pendant le confinement, elle voulait un peu se mettre de baume au cœur. Et elle a écouté une seule chanson pendant 3 minutes. Et là, une voisine, ou un voisin, enfin c'est plein. Et deux véhicules de police sont arrivés et l'ont averti que la prochaine fois, ce serait la verbalisation. Donc voilà. Oui, donc là, ce que tu racontes, en fait, c'est une espèce de poids, de mesure, et que voilà, qui doit cesser. On est d'accord. Donc, on a réfléchi aux questions de tranquillité publique, et est-ce qu'il est possible de proposer des solutions qu'on pourrait mettre en place à Wascal. Est-ce que tu peux nous en parler, Sandrine ? Oui, avec le collectif Faisons Wascal Ensemble, nous avons travaillé. Et on a pensé à réutiliser la police, c'est-à-dire de la police municipale, c'est-à-dire de les mettre dans des attribués, un policier à chaque quartier, une police à des quartiers. Et donc, ils seraient à vélo, à pied, et iraient au-devant de la population, discuteraient avec elle, et donc connaîtraient bien son secteur, et seraient plus efficaces sur le terrain. Et donc, il aurait des contacts aussi plus facilement, et il pourrait, de ce fait,
relayer à la police nationale qui pourrait intervenir les renseignements donnés par la population du quartier. Donc, il y aurait bien plus d'efficacité et les gens ont besoin d'être rassurés, d'être écoutés et présents. Et aussi, cette police de quartier pourrait aussi intervenir lors de problèmes de circulation ou à la sortie des écoles ou entrées, pendant les horaires d'entrée et de sortie d'école pour régler des problèmes de circulation et faire traverser les enfants, enfin aider pour la sécurité des enfants. Oui, donc là, en fait, ce que tu nous expliques, c'est vraiment une nouvelle doctrine d'emploi de la police municipale qui serait plus proche des gens, au contact permanent, plutôt qu'à circuler, à jamais s'arrêter en voiture. Ils seront là, ils sont présents. Tu l'avais dit, rassurer ceux qui ont besoin d'être rassurés, ouais. C'est normal. Apaiser quand il y a des situations de conflit, d'être présent pour apaiser. Et puis, et tu l'as dit surtout, ça c'est très important, c'est d'obtenir de collecter du renseignement progressivement pour ensuite permettre des interventions pour régler les problèmes durablement et donc notamment là les problèmes de personnes qui se droguent sur la voie publique, hein, c'est comme ça que ça s'appelle. Sais que le Haut-Vinage, il y a d'autres difficultés et voilà. Et donc effectivement, cette police présente au quotidien, qui connaît les gens des quartiers. Ça ferait beaucoup de changements à Wascal. Ouais. Merci beaucoup Sandrine. Merci ton intervention. On vient d'évoquer des propositions majeures qui provoqueraient un réel changement dans la ville de Wascal et qui visent à résoudre les problèmes quotidiens des gens et de tous les gens. Notre programme est d'intérêt général. On ne s'adresse pas à certaines clientèles, on ne s'intéresse pas seulement à certaines personnes et en particulier certaines personnes privilégiées. Non, nous, on s'adresse à tout le monde. Nos propositions visent à résoudre les problèmes et surtout à changer la vie, à améliorer la vie de tout le monde. On aura l'occasion dans les prochaines émissions, de détailler les autres propositions que nous avons à faire pour changer la ville, parce que c'est bien ça notre objectif, changer la ville pour changer nos vies. Alors, toutes ces propositions, en particulier celle du centre de santé municipal que nous a détaillé Lionel, ça rentre en résonance avec l'actualité du jour. Aujourd'hui, c'était donc une journée d'appel à la grève et à la manifestation en faveur des conditions de travail du personnel soignant. Applaudir, ça ne suffit pas. Il faut manifester, il faut lutter. Pour en parler, nous recevons ce soir Gérard Filoche. Gérard a été donc inspecteur du travail. On le connaît pour ça, ses nombreuses interventions médiatiques. Il a longtemps été membre du Parti socialiste, mais a fondé depuis le Parti de la gauche démocratique et sociale. Et il est un ardent promoteur de l'union de toute la gauche. Bonsoir, cher Gérard, vous m'entendez ? Oui, très bien. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Donc, je le disais, l'actualité du jour, c'était les soignants dans la rue, et les soignants, et pas que les soignants, parce qu'il y avait du monde pour les soutenir. J'aimerais que vous nous expliquiez un petit peu comment on en est arrivé là, comment on est arrivé à une telle dégradation des conditions de vie des travailleurs dans la santé et du système de soins en général. Bah, écoutez, on peut dire que ça vient de loin, puisque c'est une politique d'austérité qui visait à faire des économies sur toutes les questions sociales pour pouvoir dégager de l'argent pour les grosses entreprises. Ça fait maintenant plus d'une décennie que ceci est en œuvre. Plus de 140 milliards ont été donnés sous forme de CICE, crédit impôt et compétitivité aux très grandes entreprises. Et évidemment, ces 120 ou 140 milliards, il fallait bien les prendre dans une caisse. Alors, elles ont été prises dans les caisses des hôpitaux, dans les caisses des écoles, dans les caisses des transports publics, dans les caisses de chômage, dans les caisses d'accidents du travail, enfin tout ce qui pouvait exister. Et c'était même prévu de les prendre dans les caisses de retraite. Donc, quelque part, le,
la politique globale actuelle est de diminuer les ressources des collectivités, de vos communes, et d'empêcher plutôt qu'il y ait des maisons de santé, alors que j'entends, je vous ai entendu en parler, c'est évidemment une très bonne idée. Elle devrait être reconstruite et généralisée partout, surtout que les hôpitaux ont diminué en nombre et qu'il y a besoin d'une médecine de ville pour accueillir absolument tous les patients, et afin que quand ils vont à l'hôpital, ne reste que les cas qui méritent d'aller à l'hôpital, aux urgences, et ainsi rétablir un système qui permette de traiter l'ensemble des Français. Ce n'était plus le cas. Ce n'était plus le cas depuis un paquet d'années. La restriction avait été telle que là, on est arrivé face au virus. Vous le savez tous. Alors, il n'y avait pas de gel, il n'y avait pas de masque, il n'y avait pas de blouse, il n'y avait pas de gants, il n'y avait pas de seringue, il n'y avait pas de pouce seringue, il n'y avait pas de curare, il n'y avait pas de respirateur, il n'y avait pas de lit, il n'y avait pas de soignant. Et évidemment, il y a beaucoup de morts qui auraient pu être évitées si on avait eu des tests, si on avait pu prévenir, prévoir. La prévention en matière de santé, ce n'est pas une dépense, c'est une économie. Plus vous faites de prévention, moins vous avez après ensuite de dépenses à faire. Vous avez vu dans cette pandémie qu'il a été transporté des patients, des malades, par TGV, par avion. Il y avait 15 hélicoptères qui décollaient de Paris tous les jours pour les emmener ailleurs, parce qu'il n'y avait pas assez de place et d'accueil et de soignants sur place. Vous vous rendez compte du point de vue de l'absurdité économique que ça veut dire? Vous dépensez des centaines de milliers d'euros pour emmener des malades ailleurs parce que vous ne pouvez pas les traiter dans les régions où ils sont parce que vous avez supprimé les lits avant. Et les lits, c'était une suppression faite au nom de l'économie. Résultat des courses, vous dépensez plus parce que vous n'avez pas prévenu assez. Et évidemment, c'est un changement complet de philosophie qu'il faut avoir sur l'hôpital. Et au lieu d'avoir un hôpital comme une entreprise à flux tendu, il vaut mieux avoir un hôpital accueillant, prévenant, parce que ça, quand il y a une grande crise, eh ben, ça marche mieux. Et là, on vient de le subir cruellement. J'ajouterais que le Covid-19, on n'en est pas sorti, et des vieilles personnes comme moi, ils sont très sensibles. On n'en est pas sorti, il peut y avoir une deuxième vague à l'automne, il peut y avoir même, disent les chercheurs, des Covid pires que celui que nous avons connu. Donc, il faut développer la recherche. Mais la recherche, là, au nom des mêmes esprits, vous savez, Monsieur Macron, c'est la France start-up, c'est pas la France recherche. C'est la France sans statut, c'est pas la société protectrice. C'est la France ubérisée, c'est pas les salariés protégés. Et donc, comme vous avez ça qui est en œuvre, eh ben, évidemment, la recherche, elle a été privatisée. Vous avez peut-être lu un texte d'un chercheur de Marseille, Jérôme Canard, qui disait qu'ils avaient trouvé le coronavirus dès 2008 et 2009 en France. Ils l'avaient étudié, mais ils n'avaient pas les moyens de chercher davantage, de le protéger, et puis surtout de trouver des médicaments et éventuellement des vaccins. Donc un retard énorme a été pris. Mais c'est le propre de la société capitaliste dans laquelle on est. Elle gaspille. Elle ne prévient pas, et quand il y a des catastrophes, elle est obligée à toute vitesse de faire ce qu'on a fait, c'est-à-dire de confiner. Et évidemment, confiner fait perdre encore plus à l'économie que ce qui a été économisé en essayant avant une autre santé. Alors, ouais, je suis pour un changement de santé. On constate effectivement, là. Pardon. Je vous entends mal, mais je termine. J'étais à la manifestation aujourd'hui, tous les soignants étaient dans la rue. C'était vraiment, ça a été massif hein, dans France. Hein. Jamais probablement dans notre histoire, il y a eu une pareille manifestation de soignants. Mais les slogans étaient très, très cruels. Hein. C'était « Macron, sort ton pognon et demande pardon ». C'était « d'héroïne d'hier, nous sommes passés à un coup aujourd'hui ». Et c'était pour sauver l'hôpital, c'est sauver vos vies. Et il y avait beaucoup d'amertume et de mécontentement hein, dans cette manifestation de gens qui avaient risqué leur vie, qui avaient donné tout leur temps
pour soigner nos contemporains et surtout les plus pauvres, les plus démunis, ceux qui avaient le moins de protection face à la maladie, les plus vieux, les plus faibles, et qui voyaient aujourd'hui qu'il n'y avait pas de retour. On n'augmente pas leur salaire, on n'augmente pas les effectifs, on ne reconstruit pas des lits, on ne reconstruit pas des hôpitaux, on ne fait pas assez de maisons de santé. Ça se sentait dans toute la manifestation que j'ai traversée. Puis alors en plus, moi je suis un peu énervé ce soir, je vous remercie de me donner la parole. J'ai quand même vu cette photo d'une infirmière traînée par les cheveux sur plusieurs mètres par 5 policiers. Il n'y avait rien. Les photos sont là, quoi. Je ne sais même pas ce qu'elle avait dit, mais comment peut-on, à 5 gros bosons harnachés de tous les trucs policiers, traîner par les cheveux une femme, puis ensuite après la matraquer, la frapper, la menotter. Elle était en sang, cette femme est asthmatique, elle demandait de la ventoline. Et c'est l'image qui reste aujourd'hui. Macron a dit qu'il y avait des bavures, ou plutôt va nier les bavures dans la police, mais là on en a une en plus sous les yeux, quoi. Vous connaissez l'histoire de la grenouille et du scorpion ? Scorpion demande à la grenouille de lui faire passer le fleuve. Et la grenouille lui dit « Non, tu vas me piquer, je ne veux pas te faire passer le fleuve. » Et le scorpion dit « Non, je te jure, je n'aurai pas intérêt à te piquer parce que si je te pique, je vais couler avec toi. » Et la grenouille se laisse convaincre et au milieu du fleuve, le scorpion la pique. Et la grenouille il dit « On va mourir tous les deux, pourquoi tu as fait ça ?» Et le scorpion dit « C'est plus fort que moi, c'est ma nature. » La nature de Macron, même quand il fait hommage aux soignants, il a quelque chose du scorpion. Il faut quand même qu'il les matraque et puis qu'il les gaze à la manifestation. Effectivement, il y a une rude pente qui est prise. À la fois, là, ça met en écho l'actualité des violences policières. Voilà, et c'est les paroles qu'il a prononcées dimanche soir étaient scandaleuses. À les nier, en fait. Nier la cause du racisme, des violences policières, et là on a un nouvel exemple aujourd'hui. J'avais une autre question pour vous, parce qu'on en a parlé déjà dans nos précédentes émissions. C'est bien sûr, là il y a la crise sanitaire, il y a eu, mais qui continue encore malheureusement, la crise sanitaire du Covid-19, mais déjà maintenant, il y a la crise sociale et puis la crise économique. Qu'est-ce que vous anticipez concrètement, enfin, je vous le dis un peu brusquement, qu'est-ce qui va tomber sur le dos des salariés, là, de votre point de vue, dans les prochains mois ? Il y a 1 million de chômeurs de plus. 1 million. C'est modéré, probablement. 15 à 20% des entreprises risquent de fermer. Ils vont bloquer les salaires encore plus. Et ils vont essayer de s'attaquer pour limiter les indemnités de chômage, comme ils avaient déjà commencé à le faire depuis le 1er novembre dernier. Ils vont redonner encore plus d'argent aux grandes entreprises, et ils vont peut-être prolonger le chômage partiel, mais ça sera à 84% du salaire. Et puis, quand on a 84% de son petit salaire, eh ben, c'est dur de payer les factures au moins le mois. Et donc, ça va plonger des gens dans la pauvreté, et donc ça va poser des gens en recherche simplement d'alimentation, la faim, et ça va créer une très grande crise sociale. Et pourtant, de mon point de vue, il n'y a aucune raison. Parce qu'une pandémie, ça n'est pas une guerre. Rien n'est détruit. Tout est prêt à refonctionner. Qu'est-ce qui manque ? L'argent liquide. C'est-à-dire qu'en fait, c'est les banques, c'est les assurances, et puis l'État. Et puis les grandes entreprises. L'argent existe. Ils nous ont sorti un collectif budgétaire de 460 milliards la semaine dernière. Les gens sont pas habitués. Mais 460 milliards, c'est le budget de l'État en France. Ils ont fait un deuxième budget de l'État. Mais quand on étudie ce qu'ils en font de ces 460 milliards, à peu près 10% va vers les salariés. C'est-à-dire que, par exemple, le coût du chômage partiel, ça a été évalué à 26 milliards. Bon, peut-être ça va doubler avec un mois de plus. Mais ça fait quand même que 50 milliards sur 460. Ensuite, vous avez des dizaines de milliards pour les petits indépendants, pour les,
heureusement d'ailleurs, pour les intermittents du spectacle, pour toute une série de gens qui étaient précaires. Ça va être distribué au compte-gouttes, mais ça va être donné un peu sous forme de primes, de 500 euros par-ci, de 1000 euros par-là ou de 1500 euros par-là. C'est très important pour la survie des gens et c'est évidemment une bonne chose. Mais au total, ça fera 50, 60 milliards pour nous, j'allais dire les gens. Et ça sera 400 milliards sur 460. Alors, ils donnent 17 milliards à Air France et Airbus, 7 milliards à Renault, et vous imaginez tout ce qu'ils vont distribuer en plus aux très grandes entreprises du CAC 40. C'est là que va aller l'essentiel. Et qu'est-ce qu'ils vont faire, les grandes entreprises du CAC 40? Elles vont faire comme d'habitude. Elles vont placer de l'argent aux îles Caïmans. Elles vont les optimiser au Luxembourg. Elles vont le donner à leurs actionnaires. Parce qu'à l'argent qui est donné par l'État en notre nom à ces grandes entreprises, il est sans contrepartie. Il n'y a pas de contrôle. Moi, je suis pour le contrôle des licenciements. Je suis pour l'augmentation des salaires. Je suis pour l'embauche. Parce que si vous passez à 32 heures au lieu de nous faire 60 heures, vous aurez deux boulots. Vous aurez des gens qui sont au chômage aujourd'hui. Et on en a besoin pour les métiers, les éboueurs, les livreurs, les caissiers, les caissières, les soigneurs, les soignants, les femmes de ménage, tous les boulots de service, les profs, etc. Il y a besoin de boulot. Il y a un immense besoin de travail dans le pays. Sauf qu'ils ne veulent pas le payer puisque l'argent va au gros au lieu d'être distribué. Et ça, c'est le principal problème auquel on se heurte tous, quoi. C'est un système qui marche à l'envers. Là où, dans une crise pareille, on devrait redistribuer les richesses pour ceux d'en bas, qu'on fait vivre le pays. Hein. Même Macron l'a avoué un peu. En gros, c'est la France du SMIC qui a fait fonctionner le pays depuis 3 mois. Ça devrait être la France du fric qui paye. Hein. Là-haut, c'est à eux de payer. Il ne devrait plus y avoir de dividendes. Il ne devrait plus y avoir de surprofits. Il devrait y avoir des impôts spéciaux pour la pandémie. Il devrait y avoir des impôts progressifs. Et ça ne devrait pas être à nous tous de payer les conséquences du virus. Ben non, avec Macron, ça continue comme ça. Et c'est aussi pour ça, parce que dans chaque commune, en ce moment, les votes sont très importants. Hein. Moi, j'ai toujours dit, la commune, c'est essentiel. Small is beautiful. C'est là qu'on gère la vie quotidienne. Et il faut des gens qui aient le souci de cette gestion, qui soient proches des gens, qui ressemblent aux gens et qui discutent pour améliorer leur vie quotidienne. Puis au-dessus, il y a ceux qui donnent l'argent aux collectivités, à la commune, au département, aux régions, ou qu'ils pompent. Ils le donnent ou ils le pompent. Et le pouvoir actuel, il le pompe, il limite. Et c'est tout ça qu'il faudrait changer. Et ça se traduit au travers des votes du 28 juin prochain, pour qu'on vote des listes de proximité, des listes qu'on soucie des gens, parce que c'est une façon de contredire ce qui se fait tout en haut de l'appareil d'État, avec la politique aujourd'hui concentrée autour des mains d'un seul homme. Je ne sais même pas en France comment c'est possible, il s'est appelé Jupiter. Vous vous rendez compte? On a un gars tout seul qui décide quand est-ce qu'on a le droit de retourner sur une terrasse, quand est-ce qu'on a le droit d'avoir un 4 mètres carrés autour des élèves ou un mètre carré. C'est le contraire de la démocratie, c'est la négation du fonctionnement d'une société collective. C'est pour ça que les communes sont si importantes, les départements sont communs, parce que c'est au niveau de la vie des gens que tout devrait se décider. Et les choix financiers, ils ne devraient pas être faits en fonction d'ordre, je ne sais quoi, de ce que les grands capitalistes exigent, mais devraient être faits en fonction des besoins des gens. Et ça fonctionnerait mieux. C'est bien notre intention, effectivement, dans la commune de Wascal, de répondre aux besoins des gens, et notamment en termes de budget, on mettra en place le budget qui permettra de répondre aux besoins des gens. C'est ça notre objectif. C'est ce que j'ai entendu. Oui. J'ai écouté. Et ça me donne envie de vous soutenir, bien sûr. Et après, je sais, il y a des gens qui disent, si on fait comme ça, il va y avoir des dettes. Ah. Je voudrais dire aux gens qui nous écoutent, une bonne fois pour toutes au niveau national, hein, enlevez la dette de votre tête. Les dettes qui existent ne seront jamais payées. Jamais. Et les dettes qui sont en train d'être faites par les prêts, par tout ça, elles ne seront jamais non plus. Je vous donne un exemple. Thierry Breton, qui a été ministre de l'économie et qui dit toujours qu'il faut payer nos dettes, c'est réel, les territoires, les budgets, c'est réel, on ne dépense pas plus que... L'autre jour, sur France Inter, il a fait une déclaration qui m'a stupéfié. Il a dit, bon d'accord, on va emprunter 750 milliards au niveau européen, mais on ne les remboursera qu'entre 2038 et 2058.
Si c'est entre 2038 et 2058, qui sera là pour les payer? Quels sont les choix à cette époque? On en fera d'autres, bien sûr. Alors, il y a quelques économistes libéraux. Alors, il y a 40 la dette centenaire, dans 100 ans. Bah, oui, bien sûr. Absolument, c'est d'ailleurs ce qu'il faut faire. La dette ne sera jamais payée parce que la dette est une convention. Convention, c'est un accord. Et les gens ont du mal à croire qu'on peut annuler une dette par convention. Mais en ce moment, c'est en train de se... La pandémie force à le faire. Et donc, on peut dépenser plus. Il faut même créer de l'argent. Il faut faire la création monétaire, comme on dit, de beaucoup d'euros. Parce que si on donne les euros au restaurant, à la maison de santé, aux transporteurs, etc., eh bien, il n'y aura pas d'effet de la pandémie. Tout pourra fonctionner. C'est aux banques, aux assurances et à la dette de combler ce qui nous manque pour que tout reparte mieux. Merci beaucoup, Gérard. Une dernière, une courte question, et puis on devra s'arrêter là. Donc la situation, tu l'as décrit, effectivement, elle est compliquée, mais il y a aussi des gens, et on a déjà vu des témoignages, à Wascal et puis partout en France, des gens qui sont déterminés à ne pas se laisser faire, avec la fameuse expression « le monde d'après ne doit pas ressembler au monde d'avant ». Qu'est-ce que tu vois comme perspective quelle perspective de changement tu vois qui permettrait de cristalliser tous les enjeux actuels et puis mettre en mouvement surtout toute la population qui subit la situation actuelle? Écoutez, dans ce pays, la France est un pays très politisé, contrairement à ce qu'on dit parfois, où les gens sont très éveillés sur toutes les questions politiques, économiques et sociales et écologiques. Et nous sommes probablement, je vous discutais cet après-midi à la manifestation et à toutes les manifestations qui ont été nombreuses, nous sommes 3, 4, 5 millions de gens très conscients sur la question de la défense du code du travail, sur la question de la défense des retraites, la question de la défense des santé, la question du service public, la question des régions et de la démocratie. Nous sommes 4, 5 millions très, très, très motivés. L'enjeu, c'est d'arriver à entraîner, puisque nous sommes 44 millions d'électeurs, c'est d'arriver à entraîner, nous, les 4-5 millions les plus actifs, c'est d'arriver à entraîner 5 millions d'électeurs de plus, 15 millions d'électeurs de plus, et donc de les convaincre qu'il y a une issue, il n'y a pas de fatalité à garder la politique de Macron, la politique libérale, la politique capitaliste, mais qu'on peut imaginer et mettre en pratique un autre monde. À partir de toutes les élections des communes et tout ça dans les 2-3 ans qui viennent, parce qu'on va voter pour d'autres choix. Et pour ça, moi, je le dis, il faut l'union de la gauche. Il y a des gens qui me disent c'est une vieille lune. Non, l'union de la gauche, c'est neuf. L'union de la gauche, c'est toujours une idée neuve. C'est d'associer les forces politiques, syndicats, partis qui sont dans ces 4 ou 5 millions. Dès qu'on est unis, les gens sont plus attirés. Or, malheureusement, tout de suite, la gauche est une mosaïque. Et à l'intérieur de chaque groupe, il y a encore une mosaïque. Ça discute partout. Alors, c'est une qualité d'ailleurs de discuter partout et d'être très divers. On est pluraliste, c'est normal, on n'est pas monolithique. Mais il faut quand même savoir trouver les 5, 6, 7, 8 points politiques et syndicaux et revendicatifs et pratiques qui peuvent nous unifier. Moi, je les vois, l'augmentation des salaires, le retour à une retraite à 60 ans, du temps de travail à 32 heures, un jour ce sera 28 heures, le fait qu'il y ait un salaire maxima pour bloquer les riches, et puis le fait qu'il y ait un impôt, une réforme fiscale progressive, le fait qu'on limite la précarité, parce qu'il n'y a pas de raison qu'il y ait tant de précaires, tant d'intérimaires et tant de métiers qui soient dévalorisés, et puis le fait qu'on fasse une transition écologique et qu'on prenne des mesures qui permettent d'affronter les changements du climat et qui permettent de redistribuer les richesses. C'est pas si difficile que ça de se mettre d'accord à gauche. Moi, je milite pour ça. Je suis pour l'unité de la gauche. On a été coupé, j'ai l'impression. Oui, Gérard, vous êtes encore là? Moi, je suis toujours là. Oui, Gérard, on a été coupé. C'est pas grave. Moi, je vous entends. Bon. Je vous entends très bien. Bon, OK. En tout cas, je vous remercie. On va devoir conclure l'émission. Un grand merci de votre présence, Gérard. Des belles perspectives, effectivement. Nous, le collectif Faisons Wascal Ensemble, on fait partie de ces 4-5 millions qui sommes bien,
bien, bien motivés et qui ont bien l'intention effectivement d'entraîner derrière eux une masse de gens pour voilà, pour changer la ville d'abord, ça c'est le 28 juin, et puis changer tout le reste par la suite. Merci beaucoup Gérard. Bonne soirée, au revoir. Oh. Il est donc l'heure de nous quitter déjà. Un grand merci pour votre attention. Des excuses pour les petits problèmes techniques qu'on a connus ce soir. Voilà, merci pour vos encouragements. Merci à Valentin pour la technique. On se retrouve mardi prochain, 20h30, cette fois-ci pour un grand meeting numérique avec plusieurs invités surprises qui viendront témoigner de leur soutien à notre liste. Voilà. Ça ce sera mardi prochain, mercredi prochain, un mardi un peu plus traditionnel puisque là on évoquera la question après avoir évoqué le pilier écologique, ce soir le pilier social, la semaine prochaine, mercredi prochain, nous évoquerons donc le pilier démocratique et enfin jeudi prochain, dernier Facebook Live avec une grande rétrospective sur nos 10 propositions qui seront présentées par de nombreux colistiers et membres du collectif Faisons Wascal Ensemble. Je vous souhaite une bonne soirée. Soyez prudents, portez-vous bien. Merci beaucoup de votre présence à toutes et tous. Et puis, bonne soirée et au revoir.